អង្គុយចុះអង្គខ្ញុំប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនិតិសន្តិសភាអញ្ជើញអធិបញ្ញាអន្តជាតិ Thank you, Your Honor. I wanted to thank the defense for the ERNs at the end of the session. មេធាវីការពារក្តីដែលបានផ្ដល់ជាអន្តផងដែរលោកនៅឃើញទេសំណួរចុងក្រោយដែលមេធាវីការពារគីដូនជាបានសួរទៅសាក់សីអំពីចម្លើយមួយដែលអានចេញពីឯកសារថាមានផែនការកំទេចបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ77យើងមិនដឹងថាចំណុចនេះចេញមកពីណានេះគឺឯកសារ A3 7696 is a DC cam interview, but at the moment it is the witness meeting from the S21 confession of Mr. the witness we've the person we've been talking about, Pan Kong. So apparently, I think it's important for the people to understand that this best evidence of the plot is from the S21 killing and torture machine. Maître Coupé. Look, Maître V. Serait-il possible, Maître Copé, que vous nous disiez si Donc, vous saviez Copé, qu'il s'agissait de la lecture d'aveu de S21 ជាការពិតហើយលោកជាក្រុមលើវិញនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការកត់សម្គាល់របស់សាព្រាញ្ញាប៉ុន្តែចម្លើយរបស់សាក្សីរូបនេះដែលបានឆ្លើយម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលអះអាងថាWhat I read out, but I think we will be able to ask about this tomorrow or maybe now. But this is actually the upcoming date of this discussion. ខ្ញុំនឹងឃើញថាលោកប្រុសអាចសួរសាក់សីរូបនេះពេលនេះតែម្ដងក៏បានឬក៏អាចសួរថ្ងៃស្អែកក៏បានពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះ Maître Copé, pourriez-vous simplement répondre à ma question? Donc, Maître Copé, ឆ្លើយនឹងសំណួរខ្ញុំទៅបានហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសួរលោកថាតើលោកថាបាទឬក៏មិនមែនទេតើលោកដឹងដែរទេថាសាស័យនេះកំពុងតែអានចម្លើយសារភាពដែលចេញមកពីមន្ទីរស21ទេលោកកំពុងតែអានចម្លើយសារភាពនឹងទេ Donc vous lisez un document sans connaître de quoi il s'agit លោកអានឯកសារមួយដែលមិនដឹងថាខ្លឹមសារឯកសារនោះជាអ្វីផងឬយ៉ាងម៉េច No but I'm the thing is it's a bit confusing as to exactly what he is being however as I said in the following pages from 0038481 84 and subsequently he is confirming ឲ្យវើលបន្តិចដើម្បីអ្នកបកប្រែតន់ដោះស្រាយបញ្ហានេះបានច្បាស់លាស់ As I understand let me rephrase it as I understand the testimony of this witness គឺថាគាត់អះអាងថាមានការធ្វើរដ្ឋបហាកម្លាំងបកកុម្មុយនីសបកកុម្មុយនីស He might be but that's កុម្មុយនីសកម្ពុជាបន្តែគាត់ក៏មិនច្បាស់ដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចម្លើយសារភាពនេះប៉ុន្តែគាត់មាននិយាយពីចំណុចនេះហើយMaître Copé, ce qui n'est peut-être pas clair, លោកមេធាវីអ្វីដែលមិនច្បាស់នោះគឺរបៀបដែលលោកប្រើផោះតាងនេះទេ I'm not quite sure if I understand your question ខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំយល់សំណួរលោកចាប់ក្រុមមិនច្បាស់ទេ Monsieur Copé, je pense que ce serait Copé ខ្ញុំគិតថាត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយអង្គជំរះព្រោះថានៅពេលដែលលោកប្រើប្រភេទឯកសារបែបនេះលោកត្រូវតែបំភ្លឺថាតើប្រភពឯកសារនេះមកពីណាត្រូវបញ្ជាក់ចំណុចនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីប្រភពPossibly an S21 confession, but I'm not entirely sure as to the way this DC cam statement is written. So that's why I put it in a greater context. That's why I'm saying that he is confirming the question that he is saying basically. But I'm not quite sure if I misread. Possibly. Possibly.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Témoin, je reprends là où nous nous sommes arrêtés. Vous avez eu le temps de prendre connaissance de la première page de la déclaration du témoin de TCW 817. Je vous demande de ne pas prononcer son nom dans l'audience publique, et je vous demande simplement de bien me confirmer que vous étiez bien à K17 avec cette personne-là pendant votre mois de détention. Non, je vous demande simplement de confirmer que vous étiez bien avec la personne dont vous avez lu le nom sur la page qui vous a été présentée. Je voudrais vous confronter à certains certaines déclarations de ce témoin et savoir si ça vous rafraîchit la mémoire ou pas. Je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez, sans avoir vu les personnes qui étaient à l'étage, si vous aviez su qui elles étaient, vous m'avez répondu non. Avant de voir si les déclarations de ce témoin vous rafraîchit sa mémoire, je voudrais vous citer une partie de votre déclaration devant le personnel de CDCAM, qui est le document E3-7823, ERN en français 00-6-3-2-7-1-6. ERN en anglais 00-6-5-4-5-4-6-8. Ça commence peut-être un peu à la page précédente, donc 6-7 d'abord en anglais. Et en Khmer 00-2-3-1-4-3-0. Et ça se poursuit sur la page suivante. À ce moment-là, le personnel de CDCAM vous pose des questions et on vous demande vous avez pu savoir qui avait été arrêté et détenu en même temps que vous. Et voilà la question qui vous est posée. Comment se fait-il que vous puissiez savoir qu'il a été arrêté et détenu là-bas? C'est assez mal fait. Parce qu'il faut revenir en arrière pour savoir de qui on parle, mais vous répondez, on m'en a parlé. C'était les gens qui ont procédé à des arrestations. C'était les soldats qui m'en ont parlé. Ils ont dit que telle et telle personne était là. C'était des petits soldats qui ne connaissaient rien à rien. C'est-à-dire qu'ils venaient papoter comme ça. C'était carrément des enfants. Ils venaient bavarder avec moi. Et parfois, ils me donnaient une cigarette. La question suivante qui vous est posée est celle-là.
C'était des enfants dans les environs de Phnom Penh qui venaient bavarder avec vous. En ce qui concerne ces enfants en question, ce n'étaient pas des enfants qui étaient à l'extérieur de la prison. C'était les enfants de ceux qui étaient à l'intérieur. La porte était laissée ouverte pour qu'ils puissent sortir faire leurs besoins dans les toilettes. Ils savaient bien que c'était tel ou tel genre. Les enfants, ils les connaissaient. Ensuite, la question qui vous est posée est la suivante. Ceux qui vous en ont parlé, ce n'étaient pas les enfants des soldats qui ont procédé aux arrestations, n'est-ce pas? Et vous répondez, c'était les enfants des prisonniers, c'était les enfants de cette taille-là. Ils connaissaient le nom de tel oncle Kader, le nom de tel oncle aîné. Ils disaient qu'ils venaient de rencontrer tel ou tel homme. Fin de citation. Donc, après lecture de Je suis venu à la maison. ហើយរកគ្លិចមុននឹងទៀតក៏ម្ដងដូចបាននិយាយឬក៏មិនបាននិយាយកាលនោះដូចគ្លិចភ្លៀងមិនសូវមិនបានចាប់អារម្មណ៍និយាយការពិតឬក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងក្តីរឿងអីហ្នឹងផងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹង Je voudrais donc voir si j'arrive à rafraîchir votre mémoire autrement avec les déclarations de la personne dont vous avez confirmé qu'elle était avec vous pendant ce mois de détention. Et c'est le document E3-7695, ERN en français 00274-816-6, ERN en Khmer 00236716, ERN en anglais 00239486, et ça se poursuit sur la page suivante. On a posé des questions sur qui était... comment s'était déroulée l'arrestation de cette personne qui a été interrogée et évoque la description du bureau 417. Il dit ceci, le bureau 417 était celui de laine et était constitué de deux étages. Le rez-de-chaussée était en béton. Le premier étage avait le plancher en bois, le mur en bois et le toit recouvert de zinc. Fin de citation. Est-ce que cette description correspond à vos souvenirs du lieu? Il dit également un petit peu plus loin, je cite, quant aux gens détenus à l'étage, d'après leurs discussions entre eux que j'entendais, ils étaient environ 4 ou 5 personnes, dont Son Tan, Ta,
Kem Chan, Tha, Kem Chan, le secrétaire adjoint du district de Khmer. Fin de citation. Donc, de sa déclaration, ce témoin explique que lui pouvait entendre les conversations qui se déroulaient à l'étage au-dessus. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire et est-ce que les noms que je viens de vous citer vous rappellent quelque chose? Est-ce que dans le cadre des discussions que vous avez eues avec les enfants ou avec cette personne-là, vous vous souvenez que les 4 ou 5 personnes citées par le témoin ont séjourné à K17. យ៉ាងខ្ញុំសួរថាតើចំនួន 4-5 នាក់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវទេបើតាមការចងចាំរបស់លោកបាទការហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនអាចថាពិតដែរដឹងជាពីណាជួចែកពីណារឿងស្អីនឹងការពិតហ្នឹងបាទដូចថានិយាយពីរឿងក្មេងអាហ្នឹងមានតែក្មេងវារត់លេងទៅក្រៅក្មេងទូចទូចហ្នឹងដូចសំណួរមិញហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងអាហ្នឹងប៉ុន្តែបើតែដឹងពីណាឈ្មោះអីណាឈ្មោះអីពិតប្រាកដនោះអត់ដឹងទេមានលេខ nom de Santan តែឈ្មោះដូចសនសុថនកែមចាន់ថាកែមចាន់រ៉ាលោកសេក្រារីដូជីស្ទ្រីកតខ្នេកអេសគូអញេនេះសូឡាវូរ៉ាប៉ែលគែលគូសលោកនឹកឃើញពួកគាត់ទេស្គាល់ពួកគាត់ទេបាទឈ្មោះនឹងស្គាល់ឈ្មោះនឹងបើដឹងថាគេចាប់ដាក់លើដាក់អីណាទៅណាទៅណីនោះបាត់មុខពួកគេទាំងអស់ហើយបានគេចាប់ពួកខ្ញុំបន្តនេះUn autre point, et ce sera le dernier point de mon interrogatoire, est le nombre de personnes qui se trouvaient au rez-de-chaussée où vous étiez de K17. Vous avez évoqué un nombre de 80 personnes, et ce témoin, lui, indique toujours, même document, même URN, il y avait environ 40 prisonniers au rez-de-chaussée. Donc, dans les souvenirs de ce témoin, il y avait 40 prisonniers et non pas 80, comme vous l'avez indiqué. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ou est-ce que vous êtes sûr de ce chiffre de 80? អញ្ចឹងខ្ញុំសួរលោកថាលោកនឹកឃើញវិញទេថាចំនួនមនុស្សហ្នឹងប៉ុន្មាននាក់40ឬក៏80នាក់បាទខ្ញុំនិយាយឲ្យជាក់ស្ដែងទៅមកខ្ញុំឃើញកាលគេចង់ទម្រាបគ្នាហ្នឹងខ្ញុំរាប់មើលក្នុងចិត្តខ្ញុំដឹងថា80នាក់80ជាងទៀតជាងនឹងប្រមាណជាងទាំងប្រុសទាំងស្រីមិនមែនដូចចំនួននោះទេJ'insiste sur ce point parce que toujours, lorsque vous répondez aux questions du personnel de CDK, document 23-7-8-3, URN en français 00-632-715-5, URN en anglais 00-645-467-4. URN Khmer 00-231-430. La question qui vous est posée est la suivante. Parlons maintenant de la cellule en bas où vous étiez selon votre estimation. Combien de personnes en tout pouvaient être enfermées là-dedans? Et votre réponse est la suivante. En bas dans la cellule au rez-de-chaussée, il y avait plus de 50 personnes. Fin de citation. Donc, dans vos déclarations aux membres de CDCAM, vous semblez parler plus de 50 personnes que de 80 personnes. Et encore, est-ce que ces déclarations vous rafraîchissent la mémoire? Est-ce que ces déclarations vous rafraîchissent la mémoire? Est-ce que ces déclarations vous rafraîchissent la mémoire? បាទត្រង់ចំណុចហ្នឹងដូចភ្លេចភ្លាំងខ្លះដែរបាទសូមជម្រាបត្រង់
Monsieur le Président, j'en ai terminé de mon interrogatoire. សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ